Bonjour, c'est Mathilde, une des ambassadrices du Téléthon de cette année. Bienvenue dans ma Téléthon Story. Let's go! Depuis que je prends le traitement, j'ai un suivi médical un peu particulier. Enfin, je vais chez le cardiologue tous les 6 mois et je fais aussi un bilan sanguin pour surveiller en fait qu'il n'y ait pas d'effet secondaire sur la tension et sur le cœur. Et puis surtout, j'ai repris les séances de kiné. Donc je vais chez le kiné une ou deux fois par semaine pendant des séances d'une demi-heure à peu près. Je fais des exercices qui font travailler un petit peu tous les muscles, puisqu'en fait ce sont l'ensemble de mes muscles qui sont à développer, que ce soit les jambes ou les bras. Donc par exemple, je fais des abdos, des gainages, des exercices où je dois lever les bras ou lever les jambes. En fait, le but, c'est de faire des exercices pour regagner des muscles. Parce qu'avant, en fait, on peut dire que pendant 26 ans, mes muscles n'ont quasiment pas fonctionné, puisque comme je me fatiguais très vite, ils étaient quasiment pas sollicités. J'ai bien progressé depuis le début de l'année, enfin ça fait depuis le mois de janvier que j'y vais, et au début j'avais beaucoup de mal à faire ces exercices et ça vient de mieux en mieux. Et puis oui, je vais aussi à la piscine de temps en temps. Alors, je savais déjà nager avant le traitement, j'ai pas eu besoin d'apprendre. D'ailleurs, j'aimais déjà la piscine avant parce que c'était plus facile pour moi de me déplacer dans l'eau que en marchant. Mais aujourd'hui, j'arrive à nager plus longtemps. Par contre, je continue à nager uniquement sous l'eau et avec mon masque et un tuba parce que je sais pas encore respirer en nageant. Je pense que le meilleur moyen de regagner des muscles, c'est tout simplement de marcher. Donc depuis que j'ai le traitement, j'essaye de marcher tous les jours, mais ne serait-ce que pour aller au travail. Voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine Téléthon Story.